Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur TV Liberté dans votre émission historique passé-présent en partenariat avec la revue d'histoire européenne dont le dernier numéro, le numéro 14, vient de sortir. C'est un gros dossier que nous vous proposons ce trimestre. Il a pour sujet les États-Unis, la guerre permanente et est illustré volontairement d'une couverture que certains trouveront violente, voire provocatrice, mais qui illustre bien la réalité des choses. Les États-Unis d'Amérique ont la guerre dans leur ADN. En témoigne de simples chiffres, en 247 ans d'existence, seulement 20 ans de paix. Car si les USA n'ont connu que très peu de guerres sur leur sol, sans compter la guerre civile, ils sont allés la faire partout. Plus de 400 interventions dans le monde entier depuis 1776. L'article d'introduction du dossier est signé par l'ami Philippe Conrad qui nous explique ce qu'est le principe de destinée manifeste, principe qui confère aux États-Unis, de leur point de vue bien sûr, une mission quasi-divine au service du bien universel. Les autres sujets abordent le génocide indien, les guerres qu'ont pu conduire les USA durant le 19e siècle, et elles sont nombreuses, puis la partie 20e avec l'entrée en guerre en 1917 et les débuts de la mainmise économique et culturelle sur l'Europe. Le dossier se poursuit en évoquant les bombardements stratégiques, le plan Marshall, les bases américaines ou encore les interventions dans les Balkans. La guerre culturelle, avec pour principal vecteur le cinéma, n'est pas oubliée non plus. Autant de sujets que nous développerons avec des invités dans les semaines à venir. Et nous allons commencer avec Antoine Delacoste, l'un des contributeurs de ce dossier de la revue d'histoire européenne. Antoine Delacoste, bonjour. Bonjour. Vous êtes un observateur et un analyste avisé de questions géopolitiques. Les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent déjà, mais également les auditeurs de Radio Courtoisie ou les lecteurs de Politique Magazine, de la Nouvelle Revue Universelle ou encore du Salon Beige. C'est au tour maintenant des lecteurs de la Revue d'Histoire Européenne de faire votre connaissance, puisque vous signez dans le dernier numéro que j'évoquais en introduction de cette émission, un article intitulé « Un climat de guerre civile règne sur l'Amérique ». Pour vous, la démocratie américaine connaît une crise majeure et vous datez les premières fractures de l'élection de Trump en 2016. Mais le système américain, finalement, ne contient-il pas dans ses fondements mêmes les prémices de ces divisions ou bien sont-elles dues à une évolution que les élites américaines auraient mal contrôlée ? Alors je ne suis pas convaincu que ces fractures soient inhérentes même au système américain parce que ce sont de nouvelles fractures. Bien sûr, l'Amérique a ses divisions comme tout pays, mais il y avait quand même, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, la destinée manifeste qui faisait qu'il y avait une unité autour du drapeau, autour de la bannière étoilée, l'hymne américain, même avant mai 68 en tout cas, avant les événements des gauchistes sur les campus, eh bien l'hymne américain sonnait, tout le monde, la main sur le cœur, regardait le drapeau s'élever vers le ciel, il y avait tout de même une unité. Alors bien sûr, il y a eu la guerre de sécession, qui était une fracture, mais presque civilisationnelle, entre deux mondes qui ne se comprenaient plus, un monde qui voulait se séparer, le monde du Sud, et le monde du Nord, qui disait ça va affaiblir l'Amérique de façon excessive, il n'en est pas question. Et donc, ce serait contraire à la destinée manifeste, parce que ça empêcherait l'Amérique de dominer le monde, ce qui est notre objectif et de toute façon la mission divine, vous l'avez très bien rappelé, et Philippe Conrad explique ça très bien. Pas oublier que c'est les premiers pèlerins protestants, les pères fondateurs, etc., venaient de pays comme l'Angleterre, la Hollande, avec une conception du protestantisme le plus rigoriste qui soit. Et donc, ils ont structuré l'Amérique autour de ce protestantisme rigoriste. Et ce protestantisme a eu tendance, au fil des siècles, au fil des décennies, à s'amenuiser. Et aujourd'hui, les observateurs américains qui étudient leur pays parlent d'un post-protestantisme. C'est-à-dire que, comme nous, on est dans une situation post-catholique, eh bien l'Amérique, et on le dit moins souvent, est entrée dans l'ère du post-protestantisme. Et aujourd'hui, ce qui a fait le protestantisme des origines est en train de disparaître et de fracturer l'Amérique en deux camps. Le camp, pour simplifier, camp des gauchistes, démocrates, côte est, côte ouest, et en face, le camp des protestants plus traditionnels, mais qui sont quand même dans une phase où ils s'orientent vers notamment les églises évangéliques, voire même vers le catholicisme. Il y a un mouvement de conversion important des protestants vers le catholicisme, mais en tout cas, ça n'est plus le protestantisme des origines. Et donc cette notion de destinée manifeste, malgré tout, est en train de s'amenuiser. – En train de s'amuser, mais alors je voudrais revenir, si on remonte dans l'histoire, est-ce que finalement l'esclavage
aux États-Unis provoque aujourd'hui, c'est pas de ses conséquences, mais au niveau des populations noires, si vous voulez, un espèce de ressentiment permanent envers les blancs. Donc là, on est quand même dans l'histoire même des États-Unis. Oui, qui conduit mais à ces fractures. L'esclavage est un prétexte à la guerre de sécession. En réalité, non, je ne parle pas de la guerre de sécession, je parle maintenant de la présence de populations noires sur le sol américain. J'entends bien. Mais toute la notion d'esclavage n'a jamais été considérée comme finalement fondamentale pendant toutes ces années. Mm-hmm. Et c'est en effet maintenant que, sous l'influence notamment d'intellectuels blancs, oui, que les Noirs mettent ça en avant. Voilà. Mais finalement, les États-Unis en payent les conséquences aujourd'hui. Et les États-Unis en payent les conséquences parce que toutes les élites intellectuelles blanches, aussi bien les professeurs que les journalistes, que le monde politique notamment des démocrates, évidemment, beaucoup moins des républicains, voire pas du tout des républicains, s'est orienté vers cette nouvelle vision de l'histoire américaine. Le génocide indien dont vous parliez est très peu d'actualité. Ça, oui, par contre, l'esclavage, ça revient. Les pauvres indiens, ils sont passés définitivement par pertes et profits. À la trappe. Donc, pour vous, c'est l'élection de Trump en 2016, mais est-ce que déjà la crise suprême en 2008 a commencé à fracturer ? C'est vrai. La guerre du Vietnam avait commencé à fracturer un petit peu aussi, l'agitation sur les campus dont je parlais tout à l'heure. Mais effectivement, le grand révélateur, c'est l'élection de Trump. Vous avez parfaitement raison de rappeler la crise financière de 2008, parce que des millions d'Américains se sont retrouvés surendettés avec des taux qui montaient tellement qu'ils ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts et qui ont vu leur maison saisie. Et autant l'Amérique, le pouvoir américain a dépensé des milliards et des milliards pour sauver Wall Street, pour sauver les grandes sociétés, on sait, absolument, autant tous ces Américains, et notamment tous ces petits blancs un peu déclassés, assez pauvres, victimes de la désindustrialisation qui est réelle également aux États-Unis, eh bien eux ont été ruinés dans l'indifférence générale. Et beaucoup ont fini sous les ponts, et beaucoup ont fini dans des caravanes, parce que leur maison a été saisie, parce que l'emprunt à 4% était devenu un emprunt à 18%, personne ne peut vivre comme ça. Et ce ressentiment, eh bien, a entraîné l'élection de Donald Trump. Effectivement, l'élection de Trump est le révélateur de ce malaise, et la conséquence immédiate, en effet, de la crise financière de 2008. – Bien, alors pour vous, il y a deux marqueurs importants dans cette crise, la question raciale, oui, avec le mouvement Black Lives Matter, absolument, et puis également l'arrivée massive d'une immigration d'Amérique latine et d'Amérique centrale, on va l'évoquer, et puis la question idéologique avec le wokisme, le post-féminisme et autres gender studies, théorie du genre, etc. Alors, on peut se dire que la question raciale, elle est très, très présente et ça ne bougera pas trop. En revanche, les idéologies, ça peut peut-être passer au bout d'un moment. Est-ce que c'est ça a atteint un niveau quand même sans précédent. Oui. Sans précédent. Vous avez la plupart des universités américaines, surtout celles des deux côtes, côte ouest et côte est, qui sont totalement gangrenées par ça et qui sont aujourd'hui dirigées, finalement, oui, par l'idéologie woke. Et quand vous êtes gangrenées, il y a une vraie terreur qui s'installe. Ah oui, il y a beaucoup, oui, de professeurs qui, pour un propos malheureux, y compris des professeurs gauchistes, y compris des professeurs très sympathisants pour la cause LGBT, par exemple, qui, pour un propos maladroit auquel personne n'aurait fait attention 20 ans avant, sont aujourd'hui cloués au pilori et sont victimes de harcèlement extrêmement violent. – Ce sont des harcèlements médiatiques ?– Médiatiques. – Physiques également Oui, parce qu'on peut se dire, finalement, ils auraient envie de dire ce qu'ils voulaient dire, allez vous faire voir, moi je dis ce que je veux, mais ça ne marche pas comme ça. – Ah non, c'est beaucoup plus violent que ça. Certains ont vu leur maison taguée, leur voiture détruite, certains se sont vus interdire de présence physique à l'université par des piquets d'élèves qui disaient, vous êtes interdits. Et finalement, les directions d'université cèdent quasiment toujours. Ils finissent par demander aux professeurs de bien vouloir démissionner. Il y a eu des dépressions nerveuses, il y a eu des suicides. Il y a un cas célèbre, par exemple, à Evergreen, l'université, une des universités les plus en pointe, oui, dans cette idéologie woke, où les militants étudiants, qui sont toujours une minorité, mais c'est un grand classique, minorité qui prend le pouvoir, ont instauré une journée d'absence. Et la journée d'absence, ça voulait dire que les Blancs n'avaient pas le droit de venir sur le campus ce jour-là. Donc, seuls les Noirs pouvaient venir, mais aussi, éventuellement, les Chinois, les Latinos, ce qu'on veut. Mais les Blancs, non. Alors, les Chinois, qui sont généralement sont venus aux États-Unis pour travailler, eux ont protesté et ne sont pas venus non plus par solidarité avec les Blancs, mais surtout parce qu'ils trouvaient cette décision stupide. Mais au-delà de ça, il y a eu un professeur qui était bien connu pour ses idées extrêmement à gauche, oui, qui a dit « mais c'est absurde, c'est du racisme à l'envers ».
Eh bien, quelques semaines après, il a dû démissionner. On ne lui a pas pardonné, alors qu'il était en pointe dans les idées gauchistes. Ça, c'est Evergreen. Et ça, vous pouvez dupliquer cet exemple-là dans de très nombreuses universités. Et le camp d'en face, en quelque sorte, tenu par l'aile droite du Parti républicain, mais l'aile droite du Parti républicain a tendance à devenir majoritaire au sein du Parti républicain, comme l'aile gauche du Parti démocrate a tendance à devenir majoritaire au sein du Parti démocrate, contre-attaque en créant de nouvelles universités où là, il n'y aura pas de théorie du genre. Les manuels vont être remplacés par d'autres manuels où on ne fait pas on ne met pas en avant sans arrêt la culpabilité de l'Amérique sur l'esclavage. Et donc, vous avez deux mondes qui sont en train de s'affronter. Mais est-ce qu'il y a un réveil également, un réveil, j'allais dire, du petit peuple ou tout simplement des gens de bon sens? Oui, ils l'ont manifesté en votant pour Trump. Ils étaient prêts à le réélire. Si Trump a été battu, d'abord les conditions de l'élection de Biden. On va parler effectivement du système électoral. Oui, sont quand même assez douteuses. Au-delà de ça, jusqu'au moment du Covid, Trump était largement gagnant. Ouais. Mais les Américains ont eu plus de morts que les autres, non pas tant à cause de Trump qu'à cause de leur mauvaise santé en général. L'Amérique connaît de ce point de vue-là une crise générale d'obésité absolument incroyable, à tel point que l'armée américaine n'arrive plus à recruter son quota annuel parce que les jeunes sont trop gros et ne passent plus les tests physiques. On n'a jamais vu ça quand même. Donc vous avez une crise, au-delà de la crise, les climats de guerre civile dont on parle, vous avez une crise civilisationnelle de l'Amérique. Alors, concernant la question raciale, donc j'évoquais le mouvement Black Lives Matter et l'arrivée des Latinos, mais les deux n'ont aucun rapport avec l'autre et ils sont même assez opposés, vous allez me dire. Absolument, parce que les Latinos qui arrivent, donc c'est au début c'était pratiquement que Cuba et puis petit à petit ça s'est étendu. Maintenant c'est vraiment l'Amérique centrale et l'Amérique latine qui tentent de venir aux États-Unis. Le plus gros, c'est quoi? C'est le Mexique? Alors, le plus gros, c'est le Mexique, mais il y en a quand même énormément qui viennent du Honduras, du Guatemala, de Venezuela, de Colombie. Vous avez vraiment beaucoup moins du Brésil et d'Argentine, mais tout le nord de l'Amérique latine, il y a également un mouvement migratoire assez important. – Donc là, on a une population qui est catholique la plupart du temps ?– Alors, qui est catholique, chrétienne, souvent indifférente, mais parfois pratiquante. Et qui par ailleurs vient aux États-Unis pour fuir la misère la misère, c'est parfois exagéré, mais en tout cas la grande pauvreté et puis l'immense insécurité qui existe notamment en Amérique centrale, liée au cartel des drogues, etc. Et donc ces gens-là viennent, ils sont très mal accueillis par les républicains en général, beaucoup mieux par les démocrates, donc ils ont tendance à voter démocrate dans un premier temps. Mais petit à petit, ils s'intègrent. Travail, le système social américain, c'est pas comme chez nous, oblige à un moment donné à travailler parce que sinon personne va vous payer à rien faire. Et donc petit à petit, cette influence wokiste finit par inquiéter ces populations-là, qui elles sont restées, même si elles ne sont pas catholiques pratiquantes, sont restées à un schéma traditionnel, un père, une mère, des enfants. Et donc les délires woke, ça ne leur parle pas du tout. Et on a bien vu au moment de la dernière élection, que le vote latinos, c'est moins porté vers les démocrates que 4 ans auparavant, et c'est davantage porté vers Trump. Donc c'est latinos et c'est Black Lives Matter, là aussi ce sont deux mondes très différents. Et Black Lives Matter, c'est… Alors c'est qui Black Lives Matter? C'est une petite classe d'activistes ou est-ce que le gros de la population noire, la bourgeoisie noire par exemple, y adhère? Alors, pas nécessairement, parce qu'au départ Black Lives Matter, c'est bien avant la mort de George Floyd. Ça existe depuis plusieurs années et c'est en effet un tout petit mouvement d'agités, de militants d'extrême gauche, noirs pour la plupart, un petit peu blancs, enfin la tactique d'entrisme habituelle de l'extrême gauche, etc. Et puis il y a l'affaire George Floyd, donc les images passent en boucle dans toute l'Amérique, dans le monde entier d'ailleurs, et c'est vrai que les images sont, il faut le dire, extrêmement violentes, et le policier qui tue est blanc et la victime est noire. La victime est connue pour être un délinquant notoire, mais peu importe, blanc, noir, et de toute façon, l'arrestation se fait en dehors des règles légales. Et donc, le mouvement prend de l'ampleur, et à ce moment-là, Black Lives Matter connaît en quelque sorte une deuxième jeunesse, en tout cas une notoriété qu'il n'avait absolument pas avant. Et l'ensemble de la population noire, une bonne partie de la population noire modeste, suit. Parce que, indépendamment du cas de George Floyd, le climat de violence qui règne au sein de la police américaine est une réalité. – Oui, alors on le voit dernièrement avec l'affaire Tyre Nichols. – Exactement. – Donc un jeune qui est tué, là, véritablement. – Il est tué. – Il est tué à Memphis. – C'est ça. – Par trois policiers, mais j'allais dire le problème. – Il n'est plus racial. – Il n'est plus racial, c'est que les trois policiers sont noirs. – Exactement. – Donc là, c'est révélateur d'autre chose, d'une violence
endémique à la société américaine ? Absolument, c'est une violence structurelle. De toute façon, de même que vous avez rappelé que l'Amérique a toujours fait la guerre, de même l'Amérique a toujours été une société violente. Oui. C'est une société qui ne s'est pas construite au fil des siècles avec des indigènes, en quelque sorte, comme nous. On s'est construit au fil des siècles, même s'il y a eu beaucoup d'invasions. L'Amérique, c'est une terre d'immigration à 100%. Et ceux qui habitaient le territoire, ils les ont massacrés. Donc déjà, au départ, on est dans un climat de violence extrême. Et puis ensuite, il faut faire sa place. Et ce sont des immigrés, déjà des gens assez entreprenants, prêts à tout pour réussir. Et en plus, c'est dans les gènes du protestantisme. Si je réussis, c'est que Dieu m'aime. Si je ne réussis pas, c'est que Dieu me châtie. Il y a toujours cette prédestination qui est au cœur du protestantisme. Et donc, la violence est effectivement endémique. Par ailleurs, la délinquance est très forte et donc la police a pris l'habitude, au fil du temps, d'être elle-même violente dans ses réactions. Parce qu'on parle des violences policières, elles sont réelles, mais d'un autre côté, beaucoup de policiers se font tuer. – Et ça, chaque année, c'est pour ça qu'il y a un port d'armes plus ou moins libre, un policier doit toujours s'attendre à se poser face à quelqu'un d'armé. – Un policier ne se promène pas seul à Harlem la nuit, il n'en sortirait pas vivant. Donc cette violence, elle est réciproque en réalité. Et donc Black Lives Matter a eu la chance, en quelque sorte, de cet événement filmé et diffusé dans le monde entier pour accueillir de nouveaux militants, une bonne partie de Noirs, et les Blancs, eux, il y avait déjà des militants d'extrême-gauche, d'autres sont venus, mais sinon l'attitude des Blancs, ça a été plutôt de mettre un genou à terre. Alors on a vu ce spectacle grotesque des équipes de football du monde entier, enfin pas toutes, j'ai jamais vu un footballeur russe se mettre à genoux, mais les Français, ça, on pouvait compter sur eux, les Anglais, les Allemands, enfin toute l'Europe occidentale décadente, ça, tout le football américain a fait ça également, et puis de très nombreux hommes politiques, et il y avait quelquefois des commissariats entiers où les policiers blancs sortaient et mettaient un genou à terre par solidarité avec Black Lives Matter. Donc on est entré dans un climat de culpabilité majeure du monde blanc. Mais il ne faut pas croire pourtant, pour répondre à votre question sur la bourgeoisie noire, que tous suivent, parce que ça les inquiète un petit peu. Au plus fort de Black Lives Matter, vous avez eu une quasi-occupation de la ville de Portland, dans le nord-ouest des États-Unis, où les militants d'extrême-gauche et les Black Lives Matter, un peu pareil, mais il y a quand même des petites différences, ont occupé le centre-ville pendant des semaines et des semaines, et ont tenu en otage quasiment toute la ville avec la complicité du maire qui venait tous les jours les saluer. – Mais occupés de quelle manière ?– Eh bien, ils ont organisé un peu comme nos gilets jaunes, mais de façon beaucoup plus dure, beaucoup plus violente et sans intervention de la police, puisque le maire était d'accord avec eux. Et donc, ça aussi, ça a été, moins relayé. – Il s'était passé quelque chose à Portland ou… Non, c'est là où c'est une ville très à gauche, avec un maire très à gauche, et c'est là où les mouvements Black Lives Matter ont rencontré un tel écho au sein de la police locale et au sein de la municipalité qu'ils ont pu s'installer et occuper la ville pendant des semaines. Et donc la bourgeoisie noire, la bourgeoisie blanche, et puis d'une façon générale, tous ceux qui ne participent pas, il y avait aussi des petits blancs victimes de ça, étaient terrorisés par ce qui se passait, et terrorisés au sens propre du terme. Il y a eu des passages à tabac invraisemblables. Et ça, l'Amérique s'en est fait beaucoup l'écho. On en a énormément parlé aux États-Unis, très peu en Europe occidentale. Ça a été marginal. Alors que cet événement a été majeur aussi dans la contre-attaque, en quelque sorte, des Blancs contre la folie de ce mouvement. – C'était en quelle année ?– C'était au moment de Black Lives Matter. – D'accord. – Donc à partir de ce moment-là, les fractures sont devenues de plus en plus importantes. Le mouvement a continué à se répandre au sein des universités et tout ça s'est focalisé autour de Trump et les offensives contre Trump avec des mouvements qui provoquaient des manifestations permanentes contre l'élection de Trump. C'est quand même la première fois qu'on manifeste contre l'élection d'un président alors que personne ne remettait en cause. Oui, mais c'était, comme disait Clinton, des gens déplorables qui avaient voté. Hillary Clinton avait employé cette brillante expression, il faut être déplorable pour voter Trump. Elle aussi entretient ce climat de guerre civile. Et aujourd'hui, ce qui se passe… – Elle en est où d'ailleurs, la mère Clinton aujourd'hui ? Elle est quand même un peu vieillie. Les démocrates aimeraient la ressortir pour la prochaine élection parce que Biden est vraiment très, très fatigué. Oui. Mais elle aussi, il est un peu, et les images récentes ne plaidaient pas trop en sa faveur. Donc pour l'instant… – Ils ont quelqu'un à mettre en face ?– Pour l'instant, non. Pour l'instant, ils n'ont personne. Alors que du côté des Républicains, c'est plutôt le trop-plein. Donc ça va beaucoup s'agiter du côté des Républicains. Et l'aile droite du parti, qui a quand même plus ou moins mis la main sur l'ensemble du parti, est assez partagé aujourd'hui. Certains aimeraient se débarrasser de Trump en disant c'est à cause de lui si les mid-terms, si les élections de mi-mandat n'ont pas si bien marché qu'on l'espérait. On a raté la majorité au Sénat
Et à la Chambre des représentants, on l'a eu, mais finalement pas avec une marge aussi importante qu'on pouvait l'espérer. Et c'est à cause de la personnalité de Trump. D'où l'apparition d'un outsider, DeSantis, le gouverneur de Floride. – Qu'est-ce que vous en pensez ?– Eh bien, on a du mal à croire en sa totale sincérité, parce que les positions très dures qu'il tient maintenant, il ne les a pas toujours tenues. Bon, vous me direz… – On peut changer. C'est assez opportun quand même de changer. – Principe de réalité. Dans le contexte actuel. Mais il est vrai aussi qu'il y a des actes qui plaident en sa faveur, et notamment la folie woke est très relayée par le monde de Disney. Oui. Et Disney est en Floride. Et Disney bénéficiait d'avantages fiscaux absolument considérables qui leur ont été octroyés au nom de l'image de Disney dans le monde. Il fallait que Disney, symbole de l'Amérique, continue. Simplement, Disney n'est plus Disney. Aujourd'hui, le baiser du prince charmant à la Belle au bois dormant, c'est un baiser non consenti. On n'est pas loin du viol, mais pas tout à fait. Mais en tout cas, c'est un baiser non consenti dans le monde moderne. Et donc, tout ça a exaspéré l'électorat républicain. DeSantis a habilement surfé là-dessus. Et finalement, il a mis fin aux privilèges fiscaux de Disney. Donc la guerre a été déclenchée, et donc en dehors de cette guerre politique, on est dans une guerre culturelle extrêmement profonde entre, pour simplifier, le monde de Disney et ceux qui veulent rester sur le schéma traditionnel, un père, une mère, des enfants. – Vous parliez de crise sociale, enfin de crise sanitaire en parlant de la crise de l'obésité. Effectivement, on ne peut pas lutter contre, parce que si on lutte contre, on est grossophobe. – C'est ça, ça devient très compliqué. D'un côté, on a un discours de santé publique, mais on l'oppose à un discours, on le voit même en France hein, maintenant, certaines publicités où vous avez effectivement des personnes obèses. – Exactement, Et donc, ils sont extrêmement prudents. En même temps, ils se rendent compte qu'ils sont devant un problème majeur de santé publique. L'Amérique, c'est… toutes dernières années, pour la première fois depuis quasiment son existence, voit son espérance de vie reculer. C'est quand même phénoménal. – Il y a aussi le problème des opioïdes, qui est un vrai problème. – Oui, on estime… Alors le nombre de morts n'est pas si considérable. Je pense qu'on doit être à 200 000 morts par an, quelque chose comme ça. Ce qui, à l'échelle de l'Amérique, n'est pas absolument considérable. Mais beaucoup sont très abîmés par ça. – Et puis c'est la drogue des petits blancs. – Exactement. Donc là aussi, il y a une crise civilisationnelle. Pour l'instant, en Europe, on y échappe un peu. – Oui. On y échappe. Peut-être que notre système de délivrance des médicaments est un peu plus… – Oui, mais de toute façon, on va y venir quand même. Oui, puis on drogue douce, récréative, on va y venir. C'est intéressant de voir qu'un homme comme George Soros, dans les réseaux multiples et alimenté par une fortune absolument considérable qu'il développe dans le monde entier, a toujours, depuis le début de la création de son Open Society, en 1979, a toujours voulu promouvoir l'usage des drogues douces, toujours. Il a même été relayé un temps par un de ses militants, en quelque sorte, Kofi Annan, qui n'était pas moins que l'ancien secrétaire général de l'ONU. Les réseaux Soros jouent un rôle plus important qu'on ne le croit. Ce n'est pas du complotisme de dire ça. Vous savez que la gauche, dès qu'on invoque Soros, dit c'est du complotisme. Non, quand on étudie vraiment la question Soros, c'est très intéressant de voir l'argent qui circule, soit directement, soit par des amis, comme le fameux Observatoire des droits de l'homme, qui intervient également dans le monde entier, et vous les retrouvez toujours dans les affaires d'Ukraine, de Maïdan, de Serbie, du Kosovo. Vous les retrouvez aux endroits stratégiques, les révolutions de couleur en Géorgie, pour faire passer la Géorgie dans l'orbite américaine. Il y a toujours, bien sûr, il y a la CIA, il y a le Pentagone, il y a tout ça, mais il y a aussi l'argent de Soros. Et l'argent de Soros, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est avant tout dépensé aux États-Unis. Parce que tout ce système nous oriente vers un monde de 1984, un mondialisme totalitaire en quelque sorte, et tout ce qui s'est passé autour du Covid en est une démonstration, mais alors caricaturale, eh bien ce monde ne peut pas fonctionner si l'Amérique bascule dans le mauvais camp. Et avec Trump, l'Amérique basculait dans le mauvais camp. Pas tellement en termes extérieurs, parce que sinon, il est toujours sur ce plan-là, il est comme tous les Américains, l'Amérique doit dominer le monde, point final. Mais sur le plan intérieur, c'est pas du tout la même musique que Biden. Et c'est pour ça que tous les mondialistes de tout poil, avec notamment Soros, mais beaucoup d'autres, ont mis vraiment une énergie mais considérable pour faire battre Trump, qui avait 95% de la classe journalistique contre lui. Donc c'est, pour eux, c'est aussi un combat civilisationnel, en quelque sorte. C'est ça qui entretient également ce climat de guerre civile. Aujourd'hui, on n'est pas dans une opposition droite-gauche classique traditionnelle. Ce sont deux civilisations
qui s'observent. Et enfin, qui on a même l'impression qu'il n'y a pas seulement que deux camps, il y en a même trois, quatre. Il a raison, il ne faut pas trop simplifier non plus, c'est vrai. Les latinos en sont l'exemple, un exemple typique. Ils sont très partagés. Et les noirs, il ne faut pas penser qu'ils sont forcément dans le camp des libertaires démocrates. Mais tout de même, il y a une césure entre ces deux mondes. De ce point de vue-là, Trump contre Biden, c'est quand même un symbole. C'est-à-dire que vous avez l'aile droite du Parti républicain contre Biden, qui pourrait être l'aile centriste du Parti démocrate, mais qui a vu que c'était plus commode d'être sur l'aile gauchiste, et donc qui a épousé cette cause-là. Et donc, on est dans une opposition très violente entre une aile droite dure côté républicain, une aile gauche dure côté démocrate, et là, les centristes, il n'y a plus de place pour eux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut en effet pas trop être manichéen dans l'histoire, mais tout de même, ce sont deux mondes qui s'affrontent et qui se détestent sur fond de wokisme, de théorie du genre, de LGBT. Les LGBT ont pris le pouvoir dans énormément d'universités et évidemment développent la théorie du genre. Tous les manuels scolaires ont été changés. Donc de très nombreux parents ont manifesté en disant « faut-il apprendre à mon fils ou à ma fille dès la 8e qui peut changer de sexe un jour ?» Et donc il y a des contre-attaques qui se lancent, et je disais l'autre jour le témoignage d'une mère américaine qui avait monté une association pour lutter contre tout ça, et elle s'est retrouvée en but, elle qui peinait à rassembler 100 000 dollars pour essayer de mener son combat. Elle dit: j'ai vu des associations débarquer mais couvertes d'argent, mais d'où venait cet argent? J'ai été noyée sous le flot de l'argent. Et ça, c'est les réseaux Soros, et pas seulement. Vous avez aussi des fondations, c'est très intéressant à observer, des fondations type Carnegie ou Ford qui ont été créées au début du siècle dernier, le siècle d'avant, par des milliardaires américains. C'est très protestant, pour se donner bonne conscience. Après, ils créent des fondations qui, au début, étaient faites pour lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, etc. Mais petit à petit, pour bien coller aux critères actuels, ces fondations s'occupent avant tout de promouvoir la théorie du genre, d'aider les LGBT, etc. – Le libéralisme s'adapte à tout, exactement. Ils ont en quelque sorte épousé la cause sociétale, mais dans le bon sens, le sens LGBT, parce que sinon ça coûte trop cher le reste, ça coûte trop cher en termes d'image. Et donc ces fondations ont un argent considérable, mais vraiment considérable, quasiment autant que Soros, et donc elles aussi avancent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Soros, il y a vraiment… toute une série de fondations, d'entreprises, les grandes entreprises aussi ont là-dedans, évidemment Disney et tous les autres. J'ai observé quand même que le patron de Disney avait sauté, parce qu'en termes d'image, ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Et là aussi, il y avait des millions de parents, je ne peux plus montrer de dessins animés à mes enfants parce que vous promeuvez l'homosexualité, et je ne veux pas que ma fille, dès la 8e, regarde un film où ce sont deux petites filles qui s'embrassent. Mm-hmm. Parce que c'est devenu ça, le monde de Disney. Je crois que le dernier Disney, j'ai pas retenu le nom, mais a fait un flop d'ailleurs. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas marché du tout. C'est un petit garçon qui fait son coming out à 13 ans. Enfin, oui, c'est voilà, ça. C'est... Voilà. Mais alors, je voudrais qu'on revienne sur, enfin pas qu'on revienne, mais qu'on parle du système électoral américain. Vous le qualifiez dans l'article que vous avez signé, vous le qualifiez d'archaïque. Alors archaïque, est-ce que ce système date, un petit rappel historique, il date vraiment de la fondation des États-Unis, ou je suppose qu'il a été modifié? Il a évolué au fil du temps, mais c'est la décentralisation. Nous en France, on ne comprend pas ça, parce qu'on est des jacobins. C'est bien ou c'est pas bien. Mais enfin, en matière de système électoral, on vote et on dépouille à Lille comme à Marseille, en principe, même s'il y a eu quelques fois, notamment en Corse, quelques débordements. Mais vous prenez un petit village de l'Est, un petit village de l'Ouest, on ferme à la même heure, on dépouille de la même façon, les signatures sont faites de la même façon, c'est un système centralisé. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est un système décentralisé. Quand vous songez, déjà, c'est une petite incidente, que le Delaware, l'État de Joe Biden, est un paradis fiscal au sein d'États qui ne sont pas des paradis fiscaux, vous mesurez à quel point la décentralisation américaine peut déraper. Et ce système fédéral est un système, c'est vraiment un système fédéral qui fonctionne de cette façon-là. Et donc, d'un État à l'autre, vous n'avez pas le même système électoral. Et même à l'intérieur d'un État, d'un comté à l'autre, vous n'avez pas le même système électoral. Dans certains cas, le vote par correspondance est autorisé 8 jours avant, 3 semaines après. Dans d'autres, 5 jours avant, 2 semaines après. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Vous avez des endroits, notamment les endroits les plus importants, là où il y a un gouverneur démocrate, mais où l'élection peut être serrée, où on a le droit d'aller chez les gens pour les faire voter. Et donc le système de compost,
de certains bulletins de vote, ou quelquefois il y a d'autres questions en dehors de l'élection du sénateur et du... – Oui, des questions qui sont très très locales. – Des questions, oui. Et quelquefois vous avez des bulletins, mais qui font 70 cm avec des tas d'autres questions qui sont posées. Et donc il faut poinçonner. Et donc il faut voir si ça a été correctement poinçonné. Et donc les militants ont le droit d'aller dans les cages d'escalier, de gens qui n'auraient pas eu l'idée d'aller voter, notamment dans les milieux noirs, pauvres, défavorisés, qui eux vont beaucoup moins voter que la moyenne. Mmh. Et donc les gens ont le droit de venir avec des bulletins de vote, de les faire remplir dans l'appartement et de repartir avec, vous imaginez. Et cerise sur le gâteau, vous avez des endroits où il n'est pas nécessaire de justifier de son identité. Un bureau de vote français, outre le fait que le vote par correspondance n'existe pas malgré les efforts de Macron dans ce domaine-là, mais ça n'a pas été couronné de succès, eh bien, on vérifie l'identité. On a au minimum une carte d'identité. Alors même si maintenant ça s'est un peu assoupli… – Oui, ou parfois dans un petit village, si tout le monde se connaît… – Oui, mais quand même, globalement, vous demandez une carte d'identité. Eh bien, aux États-Unis, vous avez des tas d'endroits où on vote sans pièce d'identité. Il faut quand même le faire, notamment par correspondance. Et donc vous recevez, Monsieur John Smith a voté, rien ne dit que c'est Monsieur John Smith qui a voté. Et vous aviez des images saisissantes en 2020 de policiers municipaux entassant des sacs de bulletins de vote apportés par les militants venant de tous les immeubles dans le coffre de la voiture de la police municipale et roulés jeunesse au centre de dépouillement. Donc les manipulations sont absolument considérables. Certains observateurs américains, des spécialistes du système électoral, disent que tout le monde sait aux États-Unis qu'en 1960, Kennedy a volé son élection. En France, on ne sait pas ça. Aux États-Unis, mais si, évidemment, on ne sait pas qui a tué Kennedy, mais on sait qu'en tout cas qu'il a volé son élection. Et puis la farce de Bush avec le système en Floride sont les juges qui ont tranché et qu'on dit finalement Bush a gagné en Floride. Et donc on est dans un système d'une absence de transparence invraisemblable. – Il n'y a aucune volonté politique de réformer… – Alors les Républicains essayent. Mais évidemment avec leur prix. Parce que finalement, ça arrange le bipartisme, tout ça. C'est au détriment des petits candidats, des candidats indépendants. Alors ça, oui, ça conforte le bipartisme, ça c'est sûr et certain. Mais quand même, les Républicains considèrent qu'ils se sont fait voler leur élection en 2020. Et que Biden, les militants de Biden ont provoqué tout ça. Mais vous savez, le simple fait que dans certains États, le gouverneur républicain disait « bon, on va quand même réformer le système électoral et on va commencer par une chose très simple, identification obligatoire, pièce d'identité obligatoire ». Eh bien, ça a fait un tollé chez les démocrates qu'on dit « vous voulez empêcher les Noirs de voter ». Alors, donc vous êtes raciste. Alors une fois qu'on est là-dedans, n'ont pas de pièce d'identité. Eh ben, c'est ce que laissaient entendre les propos des démocrates. Ce sont les républicains sont dit ah bon, alors ils n'ont pas de pièce d'identité, ils savent pas la montrer. Non, mais vous savez, c'est différent, ce sont des gens déshérités, ils n'ont pas l'idée. C'est pour ça qu'il faut continuer le système antérieur, le vote par correspondance, avec permission d'aller dans les appartements, permission ou non d'ailleurs. Et donc tout ça est hors de contrôle. Sans parler des machines à voter. Les machines à voter. Moi, j'ai le témoignage direct d'un Américain que je connais qui a tapé Trump et qui a vu Biden s'afficher. Alors là, les bras lui en sont tombés, il a dit « mais j'ai voté Biden ». Oui monsieur, on va corriger, la machine a dératé. Il n'a jamais pu revoter Trump, il n'a jamais su ce que son vote était devenu. C'est un témoignage direct. Et vous avez quand même des tas de livres aux États-Unis qui traitent de cette question-là, avec des machines qui tombent en panne, des bureaux de vote qui ont ouvert avec 5 heures de retard, parce qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner la machine. Enfin, vous vous rendez compte. – Oui, non, effectivement, c'est proche de la République… Oui, bananière. Quasiment. C'est pour ça que quand je dis archaïque, c'était un euphémisme en réalité. – Alors, à propos d'élections, finalement, on arrive en début 2023, c'est l'année prochaine, c'est 2024. Eh bien oui. – Les élections, ça va super vite. – On commence. – Et Trump s'est lancé dans la campagne. Alors, un petit mot sur Trump. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est un pur produit de l'histoire américaine, Trump ?– Alors, économiquement, oui, évidemment. Mais politiquement, non, c'est un ovni. C'est pour ça aussi qu'il a été élu, parce que c'était autre chose. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Il a rassuré le peuple blanc en disant « moi je suis avec vous, moi je vous soutiendrai ». Et le petit blanc du Middle West ou le collectionneur d'armes du Texas, je caricature un petit peu, eh bien il s'est dit « enfin un qui me comprend et qui ne m'insulte pas parce que j'aime les armes ou parce que je crois à la famille traditionnelle ». – Et la lutte risque d'être très serrée pour les primaires chez les Républicains ?– Alors oui pour l'instant. Il faut se garder des pronostics. – Je ne vais pas vous demander s'il a ses chances, ça serait… – Non, parce que c'est compliqué. On voit bien quand même qu'une partie du camp républicain lui en veut de ses sorties
intempestive, de ses sorties parfois très excessives, tout en l'admirant pour avoir redonné une âme au Parti républicain. Oui, il apporte du dynamisme oui, au mouvement. Oui, parce qu'après les années Bush, la catastrophe de l'Irak et tous les mensonges qui allaient avec, c'était un peu compliqué. Il y a eu Obama qui était au zénith de sa popularité. Donc c'était quand même un petit peu compliqué pour le camp républicain. Et dans sa campagne incroyable contre Hillary Clinton, il a cassé tous les codes. Quand on voit ses postures télévisuelles pour déstabiliser Hillary Clinton... Enfin, en France, l'émission se serait arrêtée. Aux États-Unis, tous les coups, cette violence se manifeste aussi par là. Mais la violence était également chez Hillary Clinton. Ce sont des gens déplorables qui ont élu Trump, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc, cette façon de faire campagne a stupéfié l'Amérique. Et l'aile droite, la droite américaine, s'est retrouvée chez ce candidat. Simplement après, elle a apprécié... qu'à l'extérieur, ils ne dépensent pas l'argent du contribuable américain par des guerres stupides, inutiles et parfaitement immorales. Il a déclaré aucune guerre. C'est quand même assez étonnant. Même Obama avait fini par accompagner les Français et les Anglais dans cette stupide attaque contre la Libye, mais c'était sous l'influence d'Hillary Clinton. Donc déjà, quand même, l'hégémon américain, en quelque sorte, avait tendance à être un peu moins hégémonique à l'extérieur. Mais ce n'est pas tant pour ça qu'il a été élu. C'est vraiment à l'intérieur, je vais redonner sa fierté au peuple américain. Alors au début, il insistait beaucoup sur le peuple blanc américain. Depuis, il a compris que beaucoup de Latinos avaient voté pour lui, que même des Noirs avaient voté pour lui, qu'il en avait assez de ce désordre ambiant. Beaucoup de femmes, contrairement à ce qu'on a dit, alors qu'il a tenu quand même des propos assez invraisemblables sur les femmes. Mais il le fait avec un tel culot. Il continue, une sorte de bulldozer. – Il a un côté punk, moi je trouve. – Oui, en quelque sorte. Peu, oui. Il ne respecte aucun code. Alors évidemment, en face, il aura DeSantis, c'est probable, même si DeSantis s'est bien gardé de se déclarer, mais tout de même, on voit bien qu'il se positionne. Lui, il va respecter tous les codes. Peut-être que ça rassurera, en tout cas l'intelligentsia et en tout cas l'appareil du Parti républicain. Donc la lutte promet d'être changée. – On verra bien, on en reparlera. Je vais revenir au dossier de la revue d'histoire européenne, donc pour titre la guerre permanente. Comme je disais, effectivement, c'est lié à l'identité américaine. Enfin, son identité est très liée à la guerre. Je rappelais, 20 ans de paix, seulement 247 ans d'existence. Et d'ailleurs, dans son dernier numéro, notre confrère Élément, le journal Élément, nous donne une interview de l'ambassadeur de Chine en France qui affirme que plus il y a de guerre dans le monde, plus les Américains se sentent en sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Moi, je trouve ça très, très intelligent. J'ai lu cette interview sur laquelle vous avez attiré mon attention, à juste titre. C'est très intéressant, c'est une excellente analyse. La guerre fait vraiment partie de l'Amérique. Quand il n'y en a pas, ils en inventent. C'est fascinant. Alors, avec des échecs monumentaux, des abandons d'alliés sans scrupules en Afghanistan, on a revu en Afghanistan les scènes qu'on avait vues au Vietnam en 1973, avec des gens qui s'accrochaient au pal d'hélicoptère pour le Vietnam. Et là, le dernier avion américain qui s'en va, il y a des Afghans qui s'accrochent aux ailes. Et l'avion décolle et les gens tombent de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Enfin, c'est saisissant de voir ça. Donc ils ont honteusement abandonné leurs alliés, mais aucune importance. C'est pour se concentrer sur le théâtre suivant, l'Ukraine, où là ils se délectent. Ils se délectent, mais ils sont inquiets quand même. Oui, ils sont inquiets. Bon, on a une guerre interposée. Bien sûr. Pour les Russes, on est sur le terrain. Avec le sang du dernier Ukrainien, on l'avait dit dès le début. C'est ça. Les Américains vont se battre avec le sang du dernier Ukrainien. Et alors au début, on se moquait beaucoup des Russes. Mais attention, les Russes, c'est le long terme. C'est patient, le Russe. Alors, ils ont des morts, ça c'est sûr. Sûrement beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais beaucoup, beaucoup moins que l'armée ukrainienne. La désinformation en France, d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe et aux États-Unis, est incroyable sur ce sujet-là. On pensait avoir tout vu avec l'Irak, la Syrie ou le Kosovo. Ah, mais alors là, on se surpasse. Les défaites deviennent des victoires, les victoires des défaites. Et quand les Russes progressent, en disant mais ils ont fait ça avec de telles pertes que ça ne pourra pas durer. Les Ukrainiens, eux, n'ont pas de pertes. On voit des images de cimetières militaires qui couvrent toute l'Ukraine. Et maintenant, du recrutement forcé qui se fait dans les rues avec les hommes des services secrets qui arrêtent les gens à la sortie du métro, en train de monter dans leur voiture, en train de sortir d'une boulangerie. Ils arrêtent les hommes. Mais maintenant, ça va de 16 ans à 50 ans. Faire la guerre à 50 ans, faut avoir envie. Effectivement.
Mais d'ailleurs, à propos de l'Ukraine, c'était l'amiral Charles Richard, qui est le patron du commandement stratégique au Patagone, qui a déclaré au mois de novembre que la guerre en Ukraine était un échauffement. Et effectivement, il prédit un conflit qui, lui, tournera autour de Taïwan. Alors les Américains. À propos de la Chine, on en est où? Parce que, bon, il y a l'histoire du ballon là, qui a fait remonter un petit peu la pression. Qui jette de l'huile sur le feu sur à propos de Taïwan? Alors, cette histoire de ballon, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Le Pentagone a juste reconnu qu'ils n'avaient pas vu les ballons. Ça permet de faire monter la sauce. Oui. Mais au-delà de ça, la situation à propos de Taïwan, elle est quand même très tendue. Donc, qui jette de l'huile sur le feu? La déclaration de cet amiral américain. Il y avait eu la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui avait exaspéré les Chinois. Et on a également un général de l'US Air Force, qui est Michael Minihan, qui lui met en garde contre le risque d'une vraie guerre en 2025. – C'est sûr que, de ce point de vue-là, il y a une grande différence avec l'Ukraine, c'est qu'en Ukraine, les Américains ont toujours dit « nous n'irons pas ». Alors, ils ont des instructeurs, ils ont des mercenaires, ils ont du monde quand même, oui. Mais il n'y a pas l'armée américaine en tant que telle. Taïwan, ils se sont engagés. – Oui, Joe Biden l'a dit. – Est-ce que c'était un instant de lucidité ?– On ne sait pas, parce que les instants de lucidité, d'après, même en interne, on dit qu'ils sont de plus en plus rares, donc on ne sait pas très bien. En tout cas, il l'a dit. Et c'est sûr que si les Chinois décident d'envahir Taïwan, parce qu'ils considèrent que c'est à eux, l'attitude américaine, les Américains vont être extrêmement embêtés. Parce que autant envoyer des armes en Ukraine pour lutter contre l'armée russe, c'est pas compliqué. L'Ukraine, c'est très grand, on passe par la Pologne, on y va, c'est facile. Taïwan, c'est extrêmement compliqué. Ah oui. C'est une île. Bon, il y a plein de bases américaines autour, c'est entendu. Mais ça veut dire que s'il y a des avions chinois qui vont bombarder Taïwan, en partant de cette hypothèse qui n'est pas du tout évidente. – Oui, et puis les moyens d'importation d'armes vont être très compliqués, enfin à protéger, des bateaux, des avions. – Ça va être très compliqué, donc je ne sais pas comment les Américains vont s'y prendre, et donc je pense que chez eux il y a quand même une intimidation pour éviter de tomber, vous savez, dans ce piège de Thucydide qui avait été développé par Graham Allison aux États-Unis, qui avait écrit ce livre étonnant, Le piège de Thucydide, en disant, attention, Thucydide, dans sa guerre du Péloponnèse, rappelle que Sparte a déclaré la guerre à Athènes pour ne pas se faire dépasser par Athènes, parce qu'Athènes était en train de dépasser Sparte. Et finalement, Sparte ne s'en est jamais remis. Et donc, ce piège de Thucydide, est-ce que l'Amérique va déclarer la guerre à la Chine parce qu'elle ne veut pas être dépassée économiquement par la Chine? Or, la Chine, malgré l'arrêt du Covid, cette absurde politique de zéro Covid qui va leur coûter cher et qui ça fait reculer un peu, quand même, globalement, l'économie chinoise continue, va reprendre sa progression. C'est évident, malgré aussi leurs problèmes démographiques. Les Américains, de ce point de vue-là, savent qu'un jour ou l'autre, la Chine les dépassera. Les grandes routes de la soie sont un peu à l'arrêt, mais tout de même, l'implantation de la Chine en Asie et en Afrique, et même en Amérique latine, élément nouveau, n'a rien à voir avec l'Amérique. Elle a déserté l'Afrique, qui perd des parts en Asie et en Amérique latine. Et donc, il y a une vraie inquiétude chez les Américains. Donc, dans un premier temps, faire peur. Si jamais vous prenez en plus Taïwan, L'objectif de la Chine par rapport à Taïwan, c'est vraiment une annexion pure et simple, ou finalement, parce qu'on parle du même pays sur deux rives avec des systèmes, des fonctionnements différents. C'est un peu le même pays quand même. Ce sont des Chinois. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent refaire le coup de Hong Kong? Enfin. Non, parce qu'il n'y aura pas d'accord comme pour Hong Kong. Hong Kong, c'est la couronne anglaise qui tenait Hong Kong et qui a fait un accord dont tout le monde savait qu'il ne serait pas respecté. Il n'a pas été respecté. Bon, tant pis pour Hong Kong. Ça, je parle au nom de la communauté internationale, c'est pas ce que je pense. Mais par contre, pour Taïwan, le sujet est complètement différent. C'est-à-dire que Taïwan, dont je rappelle qu'elle n'a jamais proclamé son indépendance, c'est pas censé être un vrai pays en tant que tel. Mais quel est le statut? Le statut, c'est celui-là. C'est une île. L'île de Taïwan, qui n'est pas un pays indépendant en tant que tel, qui a des accords commerciaux bilatéraux avec la Chine beaucoup plus fournis qu'on ne le pense. Taïwan ne pourrait pas vivre sans la Chine, finalement. Ouais. Pour Taïwan, la Chine est le premier partenaire commercial. Ils s'échangent toute une série de produits dans les deux sens. Et après, militairement, les Chinois disent... Allez, revenez. C'est un super gros porte-avions. Simplement, ils sont confrontés à un problème de génération. C'est-à-dire que les anciennes générations de Taïwan considéraient qu'ils étaient chinois et que c'est finalement un accident de l'histoire qui les avait séparés et que donc il fallait qu'un jour il y ait une réconciliation, mais qu'il fallait qu'ils aient des garanties
L'affaire d'Hong Kong, évidemment, les a refroidis. Puis les jeunes générations ont pris l'habitude de ne plus vivre sans la Chine, même si économiquement, ils sont extrêmement liés. Et disent, proclamons l'indépendance, ils n'oseront jamais nous envahir, l'Amérique nous protège. Donc le jeu reste extrêmement ouvert en réalité. Alors est-ce que vraiment les États-Unis sont prêts à se battre pour Taïwan ? Mourir pour Taïwan. Et on en revient finalement à votre propos du début, où tout le peuple américain était uni sous la bannière étoilée, le cœur sur la main. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça serait encore possible ? Oui, pour une armée de métier, oui. Oui. Mais les Américains se moquent beaucoup des Russes en disant ça ne se passe pas comme prévu, nos généraux de plateau, là, tous unanimes. La liberté de l'information en France, c'est un bonheur. Ne sont invités sur les grands plateaux de télévision que ceux qui sont pour l'Ukraine. Oui. Là, comme ça, il n'y a pas de problème. Ils sont tous entre eux. Et bon. Donc tout le monde se moque gentiment de l'armée russe, qui est la seule des grandes puissances à faire une guerre de haute intensité, quand même, à dire les militaires. Ni les Chinois, ni les Américains n'ont fait une guerre de haute intensité. On ne va pas appeler le bombardement de la Serbie une guerre de haute intensité, ni la guerre en Irak une guerre de haute intensité. Donc on n'a jamais vu l'infanterie américaine à l'œuvre dans des tranchées plusieurs mois de suite, comme le fait l'armée russe. – Depuis 1945. Hein. – Exactement, ouais. Depuis le Vietnam. Il y a eu le Vietnam quand même. Le Vietnam, ça a été le cas, mais ça s'est passé. – Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée américaine continue de recruter dans les classes pauvres? On a vu… Enfin, la composition de l'armée américaine en Irak, en Afghanistan, effectivement, beaucoup de latinos, pour qui c'était une manière d'accéder à la promotion sociale, parce qu'ils sont devenus des vétérans. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça attire toujours? Ça reste le cas. Ce sont des milieux assez modestes. Le problème, c'est que plus le milieu est modeste, plus le taux d'obésité augmente. C'est le système américain. Il n'y a pas de dîner à table en famille. On se baffre toute la journée de McDo et donc ça se finit très mal. Et l'armée américaine vient de lancer un programme d'amaigrissement pour ses recrues. C'est-à-dire qu'il y a certaines recrues qui arrivent, qui ne peuvent pas être sélectionnées parce qu'ils arrivent déjà beaucoup trop gros ou qui ne satisferont pas aux tests physiques. Et alors plutôt que de les renvoyer, comme finalement, ils disaient, mais on n'arrivera jamais à maintenir nos effectifs, eh bien, ils en prennent une partie, ceux qui leur paraissent psychologiquement les plus aptes, et ils les prennent comme s'ils étaient soldats. Et le gamin de 100 kilos, eh bien, il faudra qu'il fasse 60, ou je ne sais pas combien. Et donc, c'est incroyable d'avoir lancé ça. C'est la seule armée au monde qui est obligée de faire ça. Et alors, ils ont eu peur de se faire traiter de grossophobes. Ils ont dit, mais non, pas du tout, c'est une question de santé publique, c'est pour, puis il n'y a que des volontaires. Ça, ils ont sans doute qu'il n'y a que des volontaires. Et donc, il y a tout un programme, d'une alimentation à heure régulière, beaucoup plus saine, avec exercice physique. Et ça commence à donner des résultats. C'est stupéfiant d'en arriver là, quand même. Ouais. Alors, effectivement, on va voir ce que ça va donner avec Taïwan. Il faut qu'il maigrisse un petit peu. Alors, cela étant, la technologie reste redoutable de très haut niveau. Mais personne ne peut dire si la Chine va vraiment envahir Taïwan. Je ne vois pas comment ils peuvent se lancer là-dedans aujourd'hui. C'est quand même extraordinairement risqué. D'un autre côté, indépendamment du symbole, stratégiquement, ça les embête bien, Taïwan. Parce que pour leur expansion par leur marine, qui est maintenant la première marine du monde, qui a doublé la marine américaine, cette île est vraiment un obstacle. Et on le voit bien sur la carte. Ça empêche une liberté de manœuvre. Il faut contourner. Il y a des bateaux américains partout autour. C'est un vrai sujet pour la Chine. Donc elle ne va pas y renoncer comme ça. Au-delà du symbole, stratégiquement, c'est pour eux nécessaire, pour un bon fonctionnement de leur marine, de récupérer un jour Taïwan. – En tout cas, ce n'est pas un sujet qui permettra de réunir le peuple américain, ça c'est certain. – Non, mais vous savez, le peuple américain s'intéresse beaucoup moins aux opérations extérieures qu'on ne le pense. Les opérations extérieures, la guerre en Ukraine, occupent beaucoup moins de place dans les journaux que la politique intérieure. Et toutes nos affaires de Black Lives Matter, ça occupe. Alors, en deux mots, on va conclure. Vous allez me dire si vous êtes d'accord sur le terme, mais est-ce que c'est la fin de l'Empire? D'abord, est-ce que c'est un empire? Est-ce que c'est la fin de l'Empire que l'on voit arriver? Alors, c'est un empire, oui. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat, il l'a assez montré. C'est un empire hégémonique qui ne s'arrête jamais. La guerre dans son ADN, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, oui, c'est un empire. Est-ce que c'est la fin de l'Empire? Ça va se jouer un peu en Ukraine, mais surtout, si les Russes gagnent en Ukraine quand même, c'est un petit peu ennuyeux, mais cela étant, ils surmonteront. Ils surmonteront parce que l'Europe a décidé de se vassaliser volontairement, le genou à terre devant l'Amérique, très bien. Non, c'est en interne, où il peut y avoir
une volonté de ne plus dépenser l'argent du contribuable. Les 1 000 milliards de dollars pour l'Afghanistan, pour une fuite piteuse, ça a quand même beaucoup contribué au rejet des opérations extérieures par les Américains. Et un des succès de Trump, c'est d'avoir dit on a envahi l'Irak, c'était la plus grande connerie des 50 dernières années en matière de politique extérieure. Arrêtons de gaspiller notre argent, on a beaucoup mieux à faire à l'intérieur. Ça, c'est un discours qui a été bien entendu, même si les Américains ne sont pas passionnés. La guerre en Ukraine, on voit bien, ça ne passionne pas le peuple américain. Eh bien, Antoine Delacoste, merci beaucoup. Alors, je rappelle également, je dis que vous étiez conférencier, mais vous tenez également un blog littéraire qui s'appelle Les Livres d'Antoine. J'invite nos téléspectateurs à le découvrir. Et vous allez ouvrir bientôt un autre blog consacré à la géopolitique, absolument, qui va s'appeler Géochronique. Géochronique.fr.com. Géochronique, probablement. Nous en reparlerons. J'ai un excellent webmaster qui va m'expliquer tout ça. Nous en reparlerons. Merci infiniment. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et nous retrouvons maintenant Christopher Lann pour la petite histoire. À bientôt. Troisième épisode de cette thématique consacrée aux grandes victoires navales françaises. Et après deux belles victoires durant le grand siècle, on va parler d'une autre période, une autre grande période pour la marine royale, le règne de Louis XVI. Et on va parler de la bataille de la baie de Chesapeake qui oppose la marine française à l'Angleterre et qui se mène en parallèle du siège de Yorktown et qui va avoir une importance décisive puisqu'elle va permettre ni plus ni moins que l'indépendance des États-Unis. Oui, c'est toujours bon de le rappeler, les Américains doivent leur indépendance à la France et nous, quand on est venu libérer leur pays, c'était pas sous un tapis de bombe. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de cette grande victoire française menée par l'amiral de Grasse dans la baie de Chesapeake. Allez, c'est parti. Nous sommes donc sous le règne de Louis XVI, un roi qui s'est beaucoup occupé de la marine, on ne le dit pas assez, et c'est pourquoi ce fut une si grande période pour la France sur les mers. Le contexte, c'est bien évidemment la guerre d'indépendance américaine, les insurgents se prennent raclée sur raclée à ce moment-là face aux Anglais, avec leur armée de clodos forcément, et donc ils cherchent des soutiens. Et bien entendu, c'est la France qui va répondre favorablement à leur demande, parce que déjà, on veut prendre notre revanche, par rapport à la guerre de 7 ans, mais en plus, dès qu'il est question d'aller chasser du roast beef, nous on est toujours prêts. Hein. Ainsi, en février 1778, Louis XVI et Benjamin Franklin signent un traité d'alliance, et la France ne va pas participer à moitié, puisqu'il est question de 6 millions de livres, d'armées, de former et d'équiper les insurgents, et d'envoyer une imposante flotte de guerre avec un corps expéditionnaire de 10 000 hommes. C'est pas l'intervention américaine de 1917. Hein. En 1781, le gros de la guerre se déroule en Virginie. Des troupes françaises sont déjà sur place, commandées par Rochambeau, qui est aux côtés de George Washington, et ce, sans parler des troupes de Lafayette. Washington veut attaquer New York, mais Rochambeau l'en dissuade et choisit Yorktown, un port fortifié où les Anglais de Cornwallis sont basés solidement. Et pour mener à bien cette opération, ils comptent également, en plus de l'attaque terrestre, sur une intervention maritime. Ainsi, l'amiral de Grasse, qui dispose de 28 vaisseaux de ligne et 3200 hommes, appareille du Cap Français
et se dirige vers Yorktown. Il est poursuivi par l'amiral anglais Rodney qui, devinant ses intentions, met le cap sur Yorktown, mais il y arrive trop vite et de grâce n'est pas encore là, ce qui fait que l'anglais repart sur New York. 4 jours plus tard, de grâce arrive à son tour, Rodney n'est plus là, il peut ainsi, non sans mal, s'installer dans la baie de Chesapeake, près de Yorktown, et capturer au passage 2 bâtiments anglais. Constatant cela et voyant à quel point Yorktown est pris en tenaille, les anglais envoient toute leur flotte à la rescousse, et c'est ainsi que l'amiral Graves se précipite sur l'embouchure de Chesapeake, à la rencontre de De Grasse. Il y arrive le 5 septembre au matin et surprend totalement De Grasse qui était en train de débarquer des troupes pour le siège de Yorktown. Quand la bataille s'engage, Graves dispose de 19 navires de ligne, mais certains sont usés et quant à lui, De Grasse, il aligne 24 vaisseaux mais avec un équipage incomplet car partiellement débarqué à terre et aussi il œuvre contre la marée. Au cours de cette bataille de ligne classique, les deux flottes se pilonnent pendant plusieurs heures, mais les Français sont plus précis et infligent de lourds dégâts à la Royal Navy, notamment en tirant sur les mâts. Vous savez, ce sont ces 2 boulets attachés entre eux par une chaîne qui servaient donc à démater les navires ennemis. À cette époque, les Français avaient un petit faible pour cette méthode, alors que les Anglais étaient restés sur une stratégie classique visant à cibler la coque des navires. Ce fut, pour cette bataille de la baie de Chesapeake, un choix payant, puisque de grâce, malgré sa supériorité numérique qui a été très peu exploitée, il va finir par prendre le dessus sur la flotte anglaise. Au coucher du soleil, Graves cesse le combat et se replie, poursuivi immédiatement par De Grasse qui veut l'emmener au large au maximum afin de permettre l'arrivée de l'amiral de Barras venu ravitailler les troupes à terre et apporter du matériel de siège. Grâce à cela, le siège se poursuit dans de bonnes conditions. Les Anglais sont complètement piégés dans Yorktown par la terre comme par la mer. Ils sont bombardés des deux côtés et Cornwallis n'a d'autre choix que de offrir sa démission, de capituler honteusement le 17 septembre. Je dis honteusement parce qu'il s'est fait porter malade et il a voulu qu'on remette son épée non pas à Washington, mais à Rochambeau. Ce que Rochambeau a noblement refusé, car oui, nous on n'est pas des Américains. Cette victoire de Yorktown met donc un terme à la guerre et scelle l'indépendance des États-Unis. Et si celle-ci a été possible, c'est grâce à la bataille navale qui l'a précédée, accompagnée cette bataille de la baie de Chesapeake, où de grâce a fait des prodiges. Washington le reconnaîtra, je cite, « Vous aurez remarqué que quels que soient les efforts accomplis par les armées terrestres, c'est la marine qui a tranché dans la présente lutte. » Chesapeake est donc incontestablement l'une des plus grandes victoires navales françaises, non seulement car elle était en elle-même une belle victoire, contre l'Angleterre, qui plus est, on va pas se priver, parce qu'elle se déroule pendant un véritable âge d'or de la marine française, mais aussi et surtout pour les conséquences énormes qu'elle a eues. C'est pourquoi j'aime tant cet épisode, parce qu'il nous rappelle le rôle majeur et décisif de la France dans l'indépendance américaine, qu'on oublie trop souvent, et aussi par rapport au comportement de Rochambeau, que j'aime beaucoup, refusant l'épée du vaincu et la laissant à Washington, elle symbolise cet esprit français qui nous fait tant honneur. Merci, j'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette thématique.